Je suis Stéphanie Biteau, je suis conseillère culinaire en freelance depuis une quinzaine d'années maintenant. Ce qui m'a amenée au développement durable, au zéro déchet, le premier déclencheur, ça a été le film Demain. Donc j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur tout ce qui se passait sur la planète et là j'ai eu un éveil pas soft du tout. Avec une vraie bonne grosse prise de conscience qu'il fallait que ça change. Et pas demain, c'est tout de suite, quoi. La cuisine, très naturellement. Évidemment, on passe au bio. Je mange quasi plus de viande ou de poisson chez moi. J'ai modifié ce que je mange au quotidien. L'eau aussi. Je suis très, très sensible à la problématique de l'eau. Quand je veux de l'eau chaude, par exemple, au lavabo de la cuisine, comme le chauffe-eau est assez loin, il se trouve qu'il y a beaucoup d'eau froide qui coule avant que l'eau chaude arrive. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible de laisser cette eau partir comme ça. Donc je me suis dit, il faut que je la récupère. Il y a des trucs que j'achète plus du tout. Et c'est incroyable quand je fais les courses. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est les produits chimiques, les produits d'entretien. Parce que là, maintenant, je nettoie ma maison quasi avec vinaigre blanc et bicarbonate. En faisant ces gestes, on est en pleine conscience de l'impact que ça a sur la consommation d'énergie, la consommation d'eau et sur les déchets qu'on génère au quotidien dans ces gestes. Si on réfléchit à ça tout le temps, on trouve des gestes. On trouve ses propres gestes écologiques en fait. Il faut essayer en fait, il faut essayer. Après il y a des trucs qui marchent ou pas, mais il faut tenter. Et moi je trouve ça super fun de trouver ces petites astuces, de créer ces recettes. Moi je trouve ça vraiment rigolo. Ouais.